Soudain, les filles se sont mises à parler. Les marmottes ne sifflent plus leur inquiétude ou leur joie de vivre. Elles ne tiennent plus de savantes réunions dans la douceur de l'air ensoleillé. Parce qu'un matin, dans les pierriers de Praslerie, le tonnerre des moteurs et des détonations a brusquement déchiré le silence du monde. Dans ce lieu qui nous vient inclinés, il n'y a plus de place pour la rêverie. L'éclatement de la pierre sous l'explosif et le vacarme des pelles mécaniques préludent à la grande aventure. L'opération béton est déclenchée. Impitoyablement, les plus puissantes machines labourent sans trêve les flancs des glaciers. Car pour tenir le rythme de la campagne, il faut extraire chaque jour de la moraine au moins 15 000 tonnes de matériel brut. Que ce chapeau de plus bas, l'œuvre patiemment préparée, 100 000 fois, chaque année jusqu'à la fin des travaux, de gigantesques camions de 26 tonnes transporteront depuis la moraine les agrégats qu'ils versent directement dans un concasseur géant, formidable mâchoire d'acier, capable de broyer des blocs de 3 tonnes en quelques secondes. Comme la nuit, la course hallucinante de ces millions et millions de molécules arrachées à la montagne se poursuit. Quittant le chantier de Praslerie, elles seront acheminées par un tapis roulant 300 mètres plus bas sur le chantier de Blava. Nom un peu rébarbatif, comme les aspérités du rocher qui surgissaient autrefois à chaque détour des petits chemins avant que les ingénieurs fassent de cet endroit une sorte de grand cœur métallique. À force d'énergie, des installations géantes se sont agrippées à la pierre, comme par enchantement. On surgit des laboratoires, des tours de béton, des téléphériques. Blava, c'est un village au sommet du monde, fait d'hommes seuls, qui doivent sans défaillance et sans repos faire fonctionner un organisme de fer et d'acier. Et voici qu'arrive le ballast nécessaire à la fabrication du béton. Les tapis roulants se succèdent, qu'ils conduisent dans l'enfer assourdissant de la station de triage et lavage. Le triage, lavage et concassage secondaire du chantier de Blava permet de fabriquer, en partant du matériel tout venant de 120 mm à portée de Praslerie, le sable et le gravillon nécessaires à la composition du béton. Incroyable et merveilleuse machinerie. Des trieurs laveurs, des concasseurs giratoires, des moulins à marteaux et à cylindres, des élévateurs séparent et divisent tour à tour le ballast en quatre catégories de gravier échelonnées dans des dimensions de 1 à 120 mm. Ces différentes catégories, parfaitement propres, sont alors transportés séparément par tapis roulant et stockés dans d'immenses silos de réserve et sagement, elles attendront le rendez-vous de la bétonnière. Il ne manque plus que le ciment. Le voici qui se promène pendant 2 heures tout au long de la vallée des Rémences avant de parvenir à la station d'arrivée du téléphérage. Alors, chaque 30 secondes, en même temps que 400 kilos de ciment, c'est un peu d'air de la vallée du Rhône qui pénètre sur le chantier. Thank you.
Pendant qu'un système d'aspiration conduit le ciment au détour, les tapis roulants viennent une dernière fois chercher le ballast, trier sous les silos et l'emmènent rapidement aux insatiables bétonnières. Les six bétonnières de la Grande Vicence avalent chaque jour 800 tonnes de ciment. Elles n'ont d'autre souci que de malaxer inlassablement cette pâte dure qui fera naître l'œuvre de foi et de courage pour laquelle 1 millier d'hommes luttent en se donnant la main. Une fois le béton tiré, des camions spécialement équipés, les silobus, s'en chargent et le versent dans la benne des blondins qui achemineront à leur tour le précieux mélange 200 mètres plus bas sur le lieu du bétonnage. Par jour, 16 000 kilos de béton s'envolent entre les deux pans de la vallée, accrochés à un bizarre petit chariot de fer, glissant lui-même le long d'un câble à la vitesse de 5 mètres seconde et qu'en mémoire du funambule français, on appelle un blondin. Il y a 4 blondins, entraînés par un groupe électrique qui fournit le courant continu nécessaire à la marche de chacun. Les câbles porteurs des blondins sont ancrés en un point fixe commun sur la rive gauche de la vallée et en un point mobile sur la rive droite. C'est une maisonnette de 120 tonnes pouvant coulisser le long d'une rampe commune aux 4 blondins, ce qui leur permet de se déplacer dans tous les sens. Ainsi, 25 km de câbles ont tissé leur mystérieuse toile d'araignée par-dessus la vallée. Fragile ossature de fils d'acier que les techniciens entretiennent avec un soin jaloux, puisque d'elle dépend en grande partie la bonne marche du bétonnage. Avant de descendre sur l'emplacement du futur barrage, jetons un coup d'œil au laboratoire d'essai qui surveille la fabrication du béton. Chaque benne, emportée par les blondins, a été contrôlée avant qu'elle ne quitte la tour à béton. Quelques kilos en sont alors prélevés, qui subissent au laboratoire un traitement miniature analogue à celui du bétonnage. On reconstitue ainsi, artificiellement, une infime partie du barrage afin d'en éprouver la résistance. Le bloc que nous voyons ici sous presse
détonné il y a 28 jours, sera capable de résister à une charge de 200 tonnes, soit environ une pression de 280 kg par centimètre carré. Deux mois plus tard, ce même bloc verrait sa résistance augmenter de 25%. Le nouveau barrage de la distance est situé 500 mètres en aval de l'ancien, bientôt enseveli dans le formidable bassin d'accumulation qui se prépare. Les installations du chantier ont été conçues de manière à permettre la mise en place quotidienne de 4000 mètres cubes de béton, soit chaque jour la quantité de béton nécessaire à la construction de 4 grands immeubles. Chaque homme, ici, travaille 11 heures par jour, et les équipes de nuit et de jour se succèdent 113 pour mener victorieusement ce combat prodigieux. Le bétonnage se fait par blocs successifs, qui s'étagent ensuite et s'emboîtent les uns dans les autres. Quelques minutes après avoir pris charge à Blava de la précieuse cargaison de béton, la benne du Blondin arrive sur les blocs. Mais elle est aveugle. C'est un téléphoniste qui dirige la manœuvre et donne au conducteur du Blondin, assis dans sa cabine à 1 km de là, les indications utiles lors de l'arrivée et du départ de la benne. Cette position, je vais encore déplacer la tour à mettre protection. La mettre au dos. Et une fourmilière d'hommes casqués s'affairent sur ces cubes énormes, nettoyant, préparant les coffrages ou maniant les lourds vibrateurs pour étaler et tasser le béton. Pas de temps perdu. On monte avec fièvre les tuyaux de la future prise d'eau, où dans 3 ans déjà, s'engouffreront chaque seconde les 55 mètres cubes d'eau qui doteront la Suisse chaque année de 1700 millions de kilowatt-heure. Voici qu'un bloc est terminé. Aussitôt, les arroseurs en prennent possession et nettoient aux jets d'eau cette surface rugueuse et délicate sur laquelle, dans 3 jours, une couche nouvelle viendra se poser. Ainsi passe la belle saison à la Grande Dixence, et ainsi de suite. Jour et nuit, pendant 15 ans, sur toute la longueur et la largeur du barrage, jusqu'en son couronnement,
où l'on fera sur le plus haut barrage du monde. Thank you.